Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour le mois de mars 2021. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Merci de bien vouloir partager mes vidéos as well. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver, posez-moi vos questions en cliquant sur le deuxième lien en bas de la vidéo. On va donc commencer. Lecture générale, énergie interchangeable. Elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Ah, and just please give me a reading for my Gemini, please. Thank you. And just please give me a reading, please. My Gemini. Les Gémeaux, on a ici quelqu'un qui doit se réconcilier avec son père ou sa mère, mais j'ai plus l'impression que on a ici quelqu'un qui doit se réconcilier avec son parent. J'ai plus l'impression que c'est ici un fils qui doit se réconcilier avec son père. Just give me a reading for my Gemini, thank you. Alright, les Gémeaux. Les Gémeaux, président parti dans vous, le mois de mars va ici être un mois de sérénité, un mois de concentration, un mois où vous allez devoir rappeler à vous, you know, toutes ces énergies-là que vous avez investies dans les gens. Investi dans les gens qui vous entourent, investi dans les membres de votre famille, dans, you know, votre travail, etc., etc. On a ici quelqu'un qui aura besoin de réflexion interne afin de réellement savoir qui il est, où il va, qu'est-ce qu'il essaye d'accomplir, qui lui permettra d'avoir une base encore plus solide que la base même, you know, qu'il s'est déjà créée dans un certain sens. Pour une partie d'entre vous, si vous êtes en train de travailler ici sur une carrière, ou encore si vous êtes ici en train de travailler sur un projet important, il est probable que ça va bientôt faire un an que vous travaillez sur ce projet. Ça va bientôt faire un an, peut-être même que vous êtes ici employé dans une compagnie or something like that. Et on a ici des anges qui veulent vous rassurer que vous avez une place et un rôle très très important dans une entreprise, dans une compagnie ou encore même dans votre propre business, si c'est un business que vous avez créé depuis déjà, you know, un an, over here. Pour une autre partie d'entre vous, si ça fait plus d'un an que vous avez créé ici une entreprise, on a ici des anges qui me disent que vous avez la base de ce que vous avez créé qui est en train de fleurir. Il y a un point en particulier dans tout un empire ou dans tout le système que vous avez créé ici pour votre propre épanouissement financier qui est très important. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tout votre business dépend que d'une seule clé, que d'une seule chose. Ou encore, vous avez toute votre concentration sur une seule chose. Il est très, très important ici pour vous de développer un point en particulier dans votre business. Et on a ici des anges qui me disent que vous allez voir le résultat au moins les premières traces de ce résultat-là d'ici un mois. D'accord? So, si dans le passé, vous ne voyez pas réellement, vous n'aviez pas réellement une certaine satisfaction, you know, après un dur travail, un dur labeur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On a ici des anges qui me disent que dans un mois, vous allez voir que quelque chose est en train de fleurir. Mais on a ici quelque chose qui fleurit lentement, mais sûrement. Parce que, président, président, vous avez ici une base qui est très, très, qui est très solide. Une base très solide. Ou encore, vous avez ici un database, une unité, un système qui est très compétent, très performant. On a les anges qui ne veulent pas que... on a les anges qui ne veulent pas que... vous doutiez un tant soit peu du résultat de quelque chose que vous avez déjà déclenché. All right? Over here, voilà. Ici, les anges qui veulent que vous ayez de l'espoir, que
vous continuez sur le même chemin que vous vous êtes tracé. En résumé, on a ici les anges qui voudraient que vous ne changiez pas de tactique. Il est même probable que depuis le 17 janvier 2021, vous avez changé quelque chose en particulier. Entre le 8 et le 17 janvier 2021, vous avez changé quelque chose en particulier dans votre manière de faire quelque chose, dans votre manière de travailler, dans votre manière de vous exprimer en something. On a les anges qui veulent que vous continuiez sur cette lancée. Parce que c'est ça la clé de la réussite de tout ce que vous êtes ici en train d'entreprendre, mais aussi l'espoir over here qui est la clé de cette réussite. Le mois de mars est donc un mois de stabilité. Pour une autre partie d'entre vous, pendant le mois de mars, il est probable que vous allez carrément affirmer votre foi, affirmer votre religion, dans le sens où it's like, you know, il y a besoin ici pour une personne d'affirmer sa foi et sa religion. D'accord? So, si vous êtes spirituel et que vous avez par exemple des membres de votre famille, d'abord, même, je suis même sûr que ce sont des membres de votre famille vraiment qui... C'est que, you know, vraiment, c'est pas votre problème, quoi. Mais bon, bref. C'est pour ça que vous êtes ici dans une situation où vous allez chercher ici à mettre certaines personnes à leur place. D'accord? Si vous êtes spirituel, musulman, whatever, quand il s'agit de votre spiritualité et de votre foi, soit tu respectes ma foi, tu dégages. Period. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici sur le point de vous marier à soi ou de vous mettre en couple avec quelqu'un qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background que vous, il est aussi probable que vous allez, you know, faire comprendre à votre partenaire, voilà ma foi, voilà ce que je fais, si tu ne respectes pas, c'est déjà on coupe les ponts là, déjà là tout de suite, tu vois. Je n'ai pas le temps à perdre. Sur une certaine partie d'entre vous, on a ici les anges qui me disent que vous allez commencer à affirmer dominance dans toutes les relations que vous avez, que ce soit relations professionnelles, relations amicales ou encore relations amoureuses. Over here. Yo. True. La carte de la vérité. Parce que pour certaines parties, vous êtes fatigué des mensonges. Vous êtes fatigué de vous faire utiliser. Vous êtes fatigué de vous laisser dominer par les autres ou encore de laisser les gens mettre des étiquettes sur vous dans un certain sens. Et on est ici dans une situation où vous voulez que les choses soient faites de manière vraiment très droite, dans une droiture qui va vous amener à être en paix avec vous-même. Donc, pour certaines parties d'entre vous, vous allez vraiment vous détacher de tout menteur et toute personne toxique pendant le mois de mars, sûrement même que vous aviez commencé depuis le mois de janvier. Et le mois de mars, ici, les choses seront solidifiées. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici un document à la cour, mais je n'ai pas vraiment l'impression que c'est un document qui est à la cour carrément. C'est peut-être... une mediation, donc une conversation, un arrangement entre vous et certaines personnes pour que certains documents partent en votre faveur, que ce soit des documents pour votre nationalité, que ce soit des documents pour de l'argent, pour de la rémunération, pour la garde de vos enfants, etc., etc. On a les anges ici qui me montrent de l'espoir. On a les anges ici qui ont carrément leurs mains sur... comment ça s'appelle, vos projets, vos différents projets. Et en mars, entre maintenant et le 20 mars, ou entre maintenant et le 2 avril, donc vers la fin de mars à soir, vous risquez de voir un résultat qui va réellement vous apporter de la joie à ton cœur. On va maintenant continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à réserver votre guidance en cliquant sur le deuxième lien en bas de la vidéo. On a les lions, les vierges et les balances. Bisous, bye.